Je m'appelle Sophie Jacques-Sébastien, je suis omnipraticienne à Paris et le sujet de ma thèse s'intitule « L'état de santé bucco-dentaire de la population du Haut-Maroni en Guyane ». Le village de Maripasoulaye se situe dans la région du Haut-Maroni en Guyane. C'est un village assez isolé. La population de Maripasoulaye, c'est une population jeune. L'âge médian, il est de 30 ans. L'accès aux soins bucco-dentaires se fait via des missions ponctuelles selon la disponibilité des praticiens qui veulent bien s'y rendre. Mais depuis 2018, aucun praticien ne s'est rendu en mission à Maripasoulaye. Pour réaliser mon étude, je suis partie pour une mission de 2 semaines. L'objectif, c'était principalement la description de la santé bucco-dentaire de cette population. Ce que j'ai pu noter, ça a été vraiment la prévalence des caries élevées chez les personnes de moins de 30 ans et la prévalence élevée des dents absentes chez les personnes de plus de 65 ans. On avait noté un CAO dentaire de 10,44, ce qui est très élevé. C'est une population qui justement a gardé les coutumes ancestrales, tant au niveau de la préparation de leur nourriture que dans le choix des aliments. Par contre, ils ont tendance à intégrer tout ce qui est les boissons sucrées, les bonbons, mais il n'y a pas de communication autour de l'hygiène dentaire et ils ne se brossent pas les dents. Je pense que pour améliorer la santé là-bas, il faudrait peut-être axer les choses sur la prévention. Ma thèse, elle a constitué une nouvelle base de données qu'il n'y avait pas avant en épidémiologie sur cette région. Les missions viennent de reprendre là en 2024. Des suites justement de ma thèse, le chef de service du pôle odontologie de Cayenne s'est servi de mes données pour, je pense, appuyer le fait qu'il y avait un gros manque dans cette région. Aujourd'hui, je travaille sur 2 cabinets, un à Paris, un en Essonne. Je suis toujours en contact avec le chef de service de l'hôpital de Cayenne, qui lui coordonne toutes les missions odontologiques. J'ai prévu à court terme de retourner faire une mission.